Coucou mes petits chats, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui il est 7h30 et on est le 4 novembre, c'est ma fête. Bonne fête à moi. Redirection l'université. On commence par un cours de psy, mais étant donné que la prof n'est pas là, on doit être quand même en présentiel. On doit regarder un film de 2 heures et puis après on a des commentaires à faire sur ce film. Voilà. Après, on finit à 12h30, on reprend à 15h, et on finit à 17h, et c'est l'informatique. Donc ça va, journée assez cool, et je vous emmène avec moi du coup tout au long de cette journée. Normalement, je suis censée aller au resto Thaï avec ma copse, on va voir ça ensemble tout à l'heure. Voilà. À Lille. Bonjour Buzz, bonjour, mais qu'est-ce que t'es mignon, dis donc. Woody, il est fatigué. Bah là c'est l'heure où ils dorment, mais comme t'as vu ils ont foutu le carnage avec la maison. Coucou, bonjour. Ah tu dis bonjour, bonjour, et bonjour Titi. Oui bonjour. Il est 5h30 et il est déjà là. Je vous présente Rookie. Rookie, bébé. Rookie. Rookie. Regardez-moi ses yeux. Oh oui, je suis fatiguée. Alors, il dort pas avec moi, mais le matin, quand je me lève, eh ben, il vient me faire des câlins. T'as un caca d'œil, mon chat. Oh, j'aime pas quand t'as des caca d'œil. J'aime pas quand t'as des caca d'œil. Bah oui. Bah oui, mon loulou. Qu'est-ce que t'es beau. Bah oui, mon amour. Voilà, Evie, à l'université. Petit outfit of the day. Petit t-shirt, petit gilet. Voilà quoi. Il fait super froid. Ce matin, j'avais mon bonnet plus mon écharpe. D'ailleurs, j'ai chaud parce que mon écharpe était lourde. Et mon bonnet était chaud, pardon. Je dis n'importe quoi. Donc, me voilà parti pour aller en cours. Comme j'ai déjà dit, je vais souvent plus tôt pour.
réviser mes cours, etc. Il y a ma fille derrière. Et du coup, bah là, je suis en rose. Vraiment, vraiment, j'ai froid. J'ai mis un bonnet et une écharpe parce que j'ai extrêmement froid. D'où il fait froid comme ça, là. Franchement, c'est quand? Il va neiger bientôt? Bref. Aujourd'hui, voilà, Révi, à l'université. Petit outfit of the day. Petit t-shirt, petit gilet. Voilà, quoi. Il fait super froid. Ce matin, j'avais mon bonnet plus mon écharpe. D'ailleurs, j'ai chaud parce que mon écharpe était lourde. Et mon bonnet était chaud, pardon. Je dis n'importe quoi. Hello mes petits chats, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes le 7 novembre. Donc hier, je ne vous ai pas repris énormément en vidéo puisque j'avais des rendez-vous. J'étais à mon rendez-vous de l'ophtalmo. Donc ma vue a bien baissé. Je suis presbyte en haut et hypermétrope en bas. Ouais. Donc les lentilles, c'est mort. Parce que apparemment c'est très difficile pour s'y habituer. Donc voilà. Hier j'ai reçu cette petite veste que j'ai commandée sur Zalando. Elle est trop bien. Franchement, elle est trop bien. J'ai reçu aussi mes Buffalo, des bottines que j'ai payées 54 euros au lieu de 120. Je les ai pris sur Zalando privé. Franchement, il y a des affaires à faire quand vous aimez la marque Buffalo. Moi, je prends toujours mes baskets et mes chaussures en solde. Voilà. J'adore cette marque et j'ai pas les moyens de me payer une paire de chaussures comme ça 120 balles. Il y a des moments où je peux me permettre, mais il y a des moments où je peux pas. Ça dépend, voilà quoi. Vous comprenez quoi. Et du coup, bah là, je les ai reçues. Elles sont trop belles. Je vous les ferai voir en entrant. Là, je me dirige à l'université. J'ai continué à lire mon livre hier matin. Je suis à plus de la moitié maintenant, donc ça va, ça va, ça va, ça commence à être bon. Et hier, j'étais voir pour ma carte Ilivia. Donc, c'est la carte de bus du Nord. Donc, j'ai ma conseillère Pôle emploi qui me dit vous êtes. Vous êtes inscrit comme demandeur d'emploi, donc vous avez le droit au tarif Iris. Je me présente avec mon justificatif de situation. Et ben non, j'ai pas le droit. Pourquoi? Parce que je ne suis pas rémunérée ni par la région pour ma formation et ni par Pôle emploi. Donc je n'ai pas le droit au tarif Iris. Et comme au niveau de mon quotient familial, il est trop élevé, j'ai pas le droit. Il est trop élevé dans le sens où, bien évidemment, mon mari travaille, mais mon fils, l'année dernière, a travaillé et ses revenus sont sur les nôtres. Donc, c'est juste à cause de ça que notre quotient est élevé et j'ai pas le droit. Donc, voilà, je suis bien embêtée parce que 63 boules, un abonnement, ça fait mal au cul, quoi. Mais on n'a pas le choix, il faut bien. Aller à l'université et ne pas avoir d'amende tout simplement. Donc bon, on fait avec en espérant que mon quotient redescende et que je puisse avoir un tarif préférentiel du coup. Voilà. Allez, je vous reprends tout à l'heure. Voilà mon bâtiment où j'étudie. Et le bâtiment juste avant, c'était la bibliothèque. Bon, du coup, il y a beaucoup de monde, mais je suis avec Angeline à Gomu, c'est à Lille, dans la rue Fédère, je crois. Et bah, je connaissais pas. Donc on va goûter, c'est des burgers. Et du coup, j'ai été échanger mon bouquin que j'avais acheté en double. J'ai été échanger et j'ai pris celui-là à la place.
Voilà. Alors voici mon petit burger, mes frites et Angeline. Bon, la gourde thermos de Noël est sortie, donc je l'ai prise. Je la trouve trop jolie en fin de compte. Et là, il y a le gobelet, voilà, jetable. Voilà, on est à Starbucks et je vais commencer mes révisions. Donc, je suis rentrée, j'ai été échanger un bouquin. D'ailleurs, il est où ce bouquin? Est-ce que vous me donnez, s'il te plaît? Parce que je l'avais déjà à la maison et je l'ai acheté en double, comme une idiote. Donc là, j'ai été échangée au Furet du Nord. J'ai pris le tome 2. Et en même temps, quand je suis revenue, j'ai été à un endroit spécifique pour mes études et j'ai été demander des renseignements. Et j'ai été à Ziman également. Donc, j'ai pris celui-ci. C'est un hiver pour te résister. Après, il y aura le 3, le 4, je ne sais plus combien il y en a en tout. Du tout. Je ne sais plus combien il y en a. Est-ce que c'est marqué? Non. C'est pas marqué? Bref, j'ai le deuxième. Et je vais vous faire voir ce que j'ai pris à Ziman. Alors, ce sont des choses pour la cuisine et un bas de jogging pour mon mari pour rester à la maison. Donc, j'ai pris un bas de jogging comme ça, gris chiné. Franchement pour 10 euros avec la fin noire et il y a mon chat qui m'embête. Voilà, j'ai pris ceci par deux pour vous savez tenir les plats etc, et du coup c'était 1,99€ les deux. Ensuite j'ai pris le gant qui va avec, le gant était à 1,79€, et j'ai pris 1, 2, 3, 4, et je pense que j'irai en rechercher 4 torchons à 1,49€ noir et blanc. Et j'ai repris des zipper bags, vous savez c'est des petits plastiques à zip. Il y a le format 1 litre et le format 2,5 litres. Moi j'aime bien prendre des petits gâteaux et des petits sandwichs et je les mets dedans. Et pour aller à l'université, alors j'ai les repas à 1€ parce que je suis boursière, mais des fois on n'a qu'une heure pour manger, c'est pas suffisant pour aller. Donc je vous disais tout à l'heure, parce que je n'avais plus de stockage, j'ai dû vider mes photos dans l'iCloud, et du coup je vous disais que tout simplement j'utilise ça pour mettre mes sandwichs et mes compotes quand je peux pas aller à la cantine parce qu'on n'a qu'une heure de coupure pour le déjeuner. Et c'est bien pratique. Et là, il y a deux sortes. Il y a les grands et les petits. Donc, les petits, ce sera pour aller à l'université. Les grands, ce sera pour les choses à la maison. Du coup, j'en ai profité pour me prendre le thermos de Noël chez Starbucks. Il y a un petit pompon et un petit truc comme ça. Je trouvais ça trop cute. Alors, elles sont pas fameuses cette année pour Noël. Même les tasses. Mais voilà. À chaque Noël, j'essaye d'en prendre une. Donc voilà, j'ai pris celle-ci. Et elle est trop belle. Et c'est les couleurs de Noël. Donc voilà. Allez, on se retrouve tout à l'heure pour la suite du vlog. Hello mes petits chers. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nous sommes le 9 novembre. Et je commence ce vlog par vous dire bon week-end. Et je voulais vous préciser qu'aujourd'hui, il y a une vidéo, j'ai perdu le mot. Recherche de stage avec ma moyenne, l'INSEE. Et voilà, donc là, je vais me préparer tranquillement. Et puis, je vous emmène avec nous, comme d'habitude, pour finir le vlog de la semaine. Bon, avec l'INSEE, on a été déposer des CV au restaurant qui se situe à Lille. Il y en a qui ont pris son CV, il y en a qui ne prennent pas. Donc, elle est là. Coucou. Et celui qui était bien intéressé, c'était aux trois brasseurs. Donc on verra bien, peut-être que ça va marcher. Donc là, on va à Millennium, on va aller manger toutes les deux. Et puis on va aller faire un petit tour à Action et à Leclerc. Voilà.
Bon, bah du coup, on savait pas où aller manger. Donc moi, j'ai pris un nouveau sandwich. C'est au saumon avec un cookie. Et bah, elle a été gâtée. Elle a eu une gaufre, mais elle est chargée. Hein. Son père va être jaloux. Et là, du coup, un panini oriental. Bon appétit, ma fille. Hey, coucou, donc nous revoilà rentrés d'avoir été déposer des CV et des lettres de motivation pour l'INSEE à Lille dans les restaurants. Voilà, donc elle en a déposé quelques-uns et il y en a quelques-uns qui ne prennent pas. Donc voilà, à voir. On attend maintenant que les personnes nous rappellent. Donc du coup, je suis passée à normal et j'ai pris ceci. Donc c'est un organisateur de maquillage et de soins qui roule. Organisateur pour le rangement du maquillage, des soins, des voilà, de beauté à normal. J'ai pris une paire de chaussettes. Hop. Une paire de chaussettes pour rester au chaud pour ma fille. Un déodorant de la marque Sanex. Et pour finir, j'ai pris des patchs pour l'INSEE en forme de cœur pour bah, l'acné et les défauts voilà, de la peau à tendance acnéique. Quoi. Bon, j'ai chaud, il y a de la buée. Et du coup, je lui ai repris un tote bag dans les tons gris parce qu'elle aime ça. Voilà. Ensuite, bah, on a été à Action. Et à Action, j'ai pris... Alors, je crois qu'elle a pris... Ouais, c'est ça. Hop, elle l'a mis là-dedans. J'ai pris cette fameuse lessive-là qui sent extrêmement bon et qui est très peu chère. Donc, je crois que c'est 2,89€ ou un truc comme ça. J'ai repris ma soupline à Action que j'aime tant. Voilà. C'est la soupline soin complet. Il y a 31 lavages. Donc, voilà. Ça, j'ai acheté... Alors ça, c'est une tasse que j'ai pris à côté de chez moi, chez Coccinelle, parce qu'il y a double fond pour le café. Je trouve ça super mignon. Elle est trop, trop belle. Voilà. Ensuite, à Coccinelle, alors c'est plus Action, c'est Coccinelle. J'ai pris deux plats comme ceci pour 14,99€. Il y a un grand plat, un moyen plat et un petit plat, genre pour les tiramisu, etc. Voilà. Ça, ça sert à rien. C'est pas la peine, c'est pas la peine, c'est pas la peine, et c'est pas la peine. Je reviens vers vous de suite. Donc, à Action, du coup, j'ai acheté des barrettes comme ceci pour l'INSEE. Pour mes trois filles, j'ai pris une brosse pour définir les boucles. Elles sont superbes, même pour démêler les cheveux. Voilà, elles se présentent comme ceci. Et c'est spécial Curly Hair Brush. Donc, j'en ai pris trois. Une pour Janelle, une pour Angéline et pour l'INSEE. Je me suis pris ça pour goûter vite fait. C'est une pâte thaï, donc c'est des nouilles. Je ne sais pas, il y a marqué Rice Noodle. Donc, je ne sais pas ce que ça veut dire exactement. Bref, je goûterai, c'était pas si cher que ça, c'était dans les soixantaines de centimes. J'ai pris une poubelle pour la chambre de l'INSEE. Elle m'a réclamé une poubelle. Hop. Et pour finir, j'ai pris ceci pour mettre sur mon bureau. Donc c'est une lampe qui s'accroche à la table. Donc moi, c'est une table que j'ai pris comme bureau parce qu'elle se plie en deux. Et du coup, il y a deux sortes de lumières. Il y a, vous savez, les lumières normales et les lumières plus dans le blanc du coup. Et je l'ai trouvé bien parce que moi qui fais des créations le matin ou qui travaille le soir sur mon ordinateur pour ma licence, et ben j'ai trouvé ça super sympa à 9,95€. Donc je vais l'installer et voir ce que ça donne. Mais en tout cas j'aime beaucoup. Et bah, ça va être très utile. Voilà pour les petits achats du jour.